résultat partiel de la présidentielle 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo laisse Moïse Katumbi très loin, plus de 9 millions de voix d'écart. Certains candidats présidents s'inclinent déjà face à la sincérité des urnes. Vous aurez les détails dans ce journal. Kinshasa, débordement du fleuve Congo. La régie de voies fluviales appelle les habitants environnant le fleuve à la vigilance. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous informer à travers cette édition d'information. Bienvenue à tous. Après quelques semaines d'interruption due à la campagne électorale et l'organisation de scrutins nationaux, le gouvernement de la République s'est réuni hier vendredi en Conseil des ministres sous la conduite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tout dernier Conseil des ministres a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Blandine Zovo. C'est par ces acclamations frénétiques qui accompagnent l'entrée triomphale de celui qui est à l'avance plébiscité champion par les Congolais, approuvé ici au dernier Conseil des ministres. 120e rendez-vous et le tout dernier du premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se tient sous une atmosphère plutôt détendue devant le président de la République, le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres présents à Kinshasa participent à cette dernière réunion de l'année du gouvernement Samalou Kondé, un conseil des ministres ordinaire tenu en toute légalité à la lumière de la Constitution qui stipule en son article 70, alinéa 2, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Fin de citation. Occasion pour le chef de l'État de remercier son équipe pour le travail abattu pendant ces 5 dernières années. Ceci est la dernière rencontre de l'année 2023 avant la proclamation des résultats des élections du 20 décembre dernier. Dernière réunion du Conseil des ministres vous sera proposée à la fin de ce journal. L'émission d'observation électorale dévoile leur rapport sur les récentes élections en République démocratique du Congo. C'est le cas du Conseil national de la jeunesse qui a déniché de difficultés au début des opérations, notamment l'arrivée tardive des machines à voter dans les centres de la CENI. Dans son rapport préliminaire sur les élections du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse fait mention de quelques irrégularités. Irrégularités qui ne remettent pas en cause l'organisation du processus électoral, martèle la mission. Il y a eu un taux de participation très important des citoyens congolais qui ont exprimé une volonté sans précédent de pouvoir répondre à ses devoirs civiques. 97%. Dans de grandes villes, nous n'avons pas à ce jour observé des actes qui pourront justement entacher cet engouement ou cette volonté de la population congolaise à l'expression démocratique d'essayer de nouveaux dirigeants. Pour nous, les taux des incidents sont minimisables. Ces irrégularités ont été évaluées par nous à 0, quelque chose de pourcentage. Par cette même occasion, nous demandons à la CENI de pouvoir publier que la vérité des urnes. Chapitre des actes inciviques enregistrés pendant les déroulements des scrutins. La mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse a formulé quelques recommandations à l'endroit de la CENI pour que les auteurs des actes inciviques soient déférés devant la justice. Partant de nos recommandations à la CENI, au gouvernement de pouvoir sanctionner tous ces candidats qui ont commis des bavures,
qui ont dérouté, qui ont pris en otage des machines de vote, qui ont délocalisé les bureaux de vote selon la cartographie de la CENI. Et ça, ce n'est pas pour la présidence, c'est pour les autres niveaux des élections, notamment les élections au niveau national, provincial et municipal. Toujours dans la série des recommandations, la mission a encouragé également la CENI à poursuivre la publication des résultats, enfin, de donner la possibilité aux électeurs de se faire une idée sur ces choix effectués en termes d'élus. Même son de cloche pour les organisations de la société civile, expertes en matière électorale, qui ont participé aux opérations et surveillance des élections du 20 décembre dernier. Elles signalent également quelques imperfections de l'ordre logistique. Les acteurs de la société civile dénoncent les retards pris dans l'ouverture de bureaux de vote et la difficulté dans le déploiement des matériels électoraux. En dépit de cette situation, ces acteurs reconnaissent les efforts fournis par toutes les parties prenantes et font quelques propositions. La CENI doit respecter la volonté du peuple congolais en proclamant le vrai début de ces élections générales et c'est sans influence. Ni interne, surtout pas externe, continuer à publier le résultat bureau par bureau sans complaisance aux recommandations politiciennes. Faire passer l'intérêt de la nation au-delà de leurs intérêts individuels. Faire recours aux institutions chargées de l'organisation des élections et aux instances judiciaires pour toute revendication relative à leurs droits civils et politiques. Maintenir la fibre patriotique. Par la consolidation de la cohésion nationale et la volonté de construire notre pays dans la paix. Ces élèves doivent jouer pleinement son rôle en ce moment précis et avec conscience qu'il est le poumon de la République, que la jeunesse est le symbole de l'unité nationale, en repoussant tous les ennemis internes et externes de la République démocratique. Par ailleurs, les organisations de la société civile et tous les partenaires nationaux et internationaux restent engagés à accompagner la RDC sur le chemin de la démocratie et la paix durable. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kananga ont causé des pertes en vies humaines et dégâts matériels considérables. Le gouverneur du Kasaï central en mission d'urgence à Kinshasa a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour une solution urgente. La date du 25 décembre 2023 n'était pas du tout festive pour la population des Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette ville du 25 au 26 décembre dernier ont causé mort d'hommes suite aux inondations et glissements des terres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a échangé le jeudi 28 décembre à la primature avec le gouverneur du Kasaï, John Kabeya Shikai, pour tabler sur cette situation des catastrophes naturelles ayant causé mort d'hommes. Après avoir écouté le récit du numéro 1 de la province du Kasaï central, le chef du gouvernement congolais a promis de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines en urgence. Le gouverneur du Kasaï, John Kabeya, revient sur l'essentiel de cet échange. Il y a une très forte pluie qui s'est abattue sur toute la province. Nous avons enregistré 22 morts et des dégâts matériels importants. Les dégâts matériels, je peux évoquer les cas de l'usine de captage de la régie des eaux qui est noyée et la route coupée pour accéder à cette usine. Ça, nous sommes au niveau du quartier Kanyuka et nous avons la situation de Bianchi. C'est mon quartier là où j'habite. Il y a un ravin qui s'est développé, ça a ravagé à peu près 15 ménages. Nous avons la route coupée de l'académie militaire ex-EFO. Nous avons l'avenue Kamwandu, là où il y a les cimetières. Pour enterrer des gens, ça pose problème aujourd'hui. Il y a la voie ferrée qui est coupée en deux parties. Et quand je vous parle là, la mesurette de maïs
qui coûtait 2 500, ça remontait jusqu'à 8 500. Tout ça sont des conséquences de cette pluie qui a détruit vraiment toute la province. Et le Premier ministre est vraiment trop attentif à tout ce que nous venons de le dire. Et je pense que ce matin, il était en mini-conseil des ministres avec les ministres sectoriels pour voir comment on peut résoudre. Parce que avec des morts, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'intervenir et puis les assister dans un temps record. Le cas des glissements des terres au Kasaï central était déjà évoqué au cours de la réunion restreinte du Conseil des ministres, convoquée bien avant par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kenge. Kinshasa fait également face aux pluies diluviennes. Eh bien, face à la crue du fleuve Congo, la régie de voies fluviales appelle les autorités et la population habitant la zone environnante, le fleuve Congo, à prendre les dispositions nécessaires pour éviter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines en cette période pluvieuse. Au vu de l'évolution exceptionnelle du niveau d'eau du fleuve Congo et ses affluents, la régie des voies fluviales RVF établissement public à caractère scientifique et technique alerte les pouvoirs publics et les habitants des zones environnantes du fleuve Congo à prendre les dispositions qui s'imposent afin de prémunir de ces inondations. Selon un communiqué signé par le directeur général adjoint de cet établissement public, Divine Malumba Kapinga, ces inondations touchent la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa et menacent les activités économiques et les populations riveraines exposées aux maladies d'origine hydrique. Selon ces mêmes communiqués, les résultats de la mesure des jaugeages du fleuve Congo réalisée entre Kinshasa et Brazzaville en date du 27 décembre 2023 est de 73 209 brigilles à 1 mètre cube par seconde avec 5 brigilles 91 mètres de niveau d'eau à la station principale des gels limimétriques de Kinshasa Port Public. Pour la RVF, à la lire de la remontée des eaux de pluie qui se rapproche de celle de 1961, 6,21 mètres, l'urgence s'impose pour éviter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines. Pour ce faire, les occupants des zones environnant les flots sont appelés à évacuer ce milieu avant que le pire n'arrive. C'est ici qu'il faut interpeller tous les services spécialisés de l'État intervenant dans les secteurs de l'environnement, des affaires foncières et habitats qui autorisent le lotissement de toutes ces zones dangereuses du mettre fin. Car un homme averti en vaut deux. Les inondations sont récurrentes et presque toutes les provinces du pays sont touchées. Cette situation est l'une des conséquences du réchauffement climatique et du comportement de l'homme, d'où il y a lieu d'interpeller les consciences. Suivez ces dossiers de Bobette et Ingalisambre. Des cultures perdues, des écoles et centres de santé pratiquement inaccessibles, plusieurs villes du pays ne résistent plus à l'intensité des pluies qui s'abattent ces derniers jours. Les efforts physiques et mentaux sont ce prix à payer pour survivre dans ces coins sinistrés. Quand il pleut, nos maisons sont envahies et il n'y a pas moyen de sortir. Nous souffrons quand il pleut, il nous faut évacuer toute cette eau qui envahit la maison. Nombreuses sont les causes de ces inondations meurtrières. Le réchauffement climatique et certaines des activités de l'homme en sont pour quelque chose. Il y a d'abord le cycle de l'eau qui est un phénomène tout à fait naturel. Mais avec les changements climatiques qui est dit aux activités humaines, c'est comme ça qu'il y a cette augmentation d'abord de la chaleur, il y a un dérèglement climatique qui fait que le puits diluvien soit très abondant et que les villes soient inondées et les territoires. La RDC, dans ses 26 provinces, il y en a une dizaine de provinces déjà qui se trouvent déjà très affectées par ces phénomènes des inondations. Ces inondations-là sont provoqué par l'homme, parce que c'est l'homme qui est en train de construire là où on ne peut pas construire. Il faut respecter certaines normes écologiques. Vous savez que l'arbre est en train de protéger le sol. Et quand vous venez, vous coupez l'arbre, vous construisez partout, vous détruisez l'écosystème existant qui essaye de consolider le sol,
Donc il y aura quand même destruction du sol. Quand on utilise des déchets plastiques, il n'y a pas moyen que l'eau pénètre le sol. Donc le sol est aridifié et c'est ce qui provoque aussi des inondations. Après chaque pluie, les dégâts sont énormes. À la destruction des infrastructures s'ajoute l'urgence sanitaire avec maladies et épidémies qui s'invitent. Les sinistrés multiplient les appels à l'aide. L'épineuse question de la prise en charge humanitaire refait surface. Avec tous les dégâts qu'ils amènent, il y a des problèmes de santé aussi. Avec tous ces déchets-là, c'est un problème. Que les autorités nous viennent en aide. Je lance un appel aux autorités qu'elles interviennent. Il y a plusieurs problèmes des maladies. Les enfants se blessent à cause de ces eaux. Si la météo s'annonce moins clémente dans les jours à venir, les dispositions nécessaires s'imposent pour une gestion durable de l'environnement et la prévention des catastrophes. J'ai parlé des activités vertes, des activités qui respectent l'environnement, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la transformation des agricoles, le déchet, le mine. Il faudra privilégier l'environnement, respect des activités, limiter les impacts négatifs et bonifier ce qui est positif pour que le monde ne vit pas ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut aménager, donner un autre niveau dans nos villes. Là où il y a des caniveaux, des bâtiments qui naissent, mais qui doivent être bien construits, les avenirs, tout ça, et l'éducation même environnementale, pour que les populations ne subissent pas ces problèmes. Prendre des dispositions en vue de lutter contre les constructions anarchiques, urbaniser, canaliser les eaux et surtout lutter contre l'utilisation des plastiques et mettre un dispositif de la gestion des déchets. On ne peut pas jeter les déchets par-ci, par-là. Les pistes de solutions sont connues. Il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Autre chose, la loi des finances 2024 a relevé le budget de la santé à 14,5%, l'agriculture à 12%, mais un rabais de plus ou moins 3% au secteur de l'éducation. L'interpellation du gouvernement est mentionnée dans un rapport d'une centaine de pages issu de l'analyse du budget 2024 par les organisations de la société civile. Conformément à l'axe des stratégies de réforme des finances publiques monté en 2010, lié à la promotion de la gouvernance participative, a permis aux organisations de la société civile d'être désormais partie prenante au processus budgétaire en RDC. Cette année, le gouvernement nous a rejoints dans nos demandes en octroyant à la santé 14,5%. Le budget de l'agriculture pour lequel nous demandions au moins 10% a été élevé à 12%, nous sommes vraiment très satisfaits. Évidemment, nous avons interpellé le pouvoir public pour avoir diminué le budget de l'éducation d'à peu près 3%. Ainsi, la loi des finances 2024 n'a pas été mise en reste. Elle a subi l'analyse du réseau gouvernance économique et démocratie REGED ainsi que de la coordination de l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Au cours de cette conférence de presse, les axes globaux ont été présentés, surtout pour les secteurs intéressant la population. Nous faisons entendre la voix de la femme en ce qui concerne le développement du pays. Il y a une recommandation concernant le genre, qu'on puisse prendre en considération le genre dans l'élaboration du budget. Maintenant, nous pouvons espérer que le gouvernement a une attention particulière et que la voix des citoyens congolais est en train d'être entendue. Les journalistes et autres participants ont été sensibilisés par le représentant du secrétaire exécutif du COREF empêché, M. Hassani, à vulgariser davantage les informations budgétaires. Cette conférence a été appuyée par le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore Banque mondiale.
Revenons encore une fois à la rubrique élections. Eh bien, sans même que la centrale électorale ni la Cour constitutionnelle ne publient respectivement les résultats officiels et provisoires et définitifs, eh bien, le candidat Constant Moutamba, la présidentielle, a en toute sportivité et fair play démocratique félicité son concurrent au fauteuil présidentiel pressenti gagnant au terme des tendances. Avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger, a reconnu Constant Moutamba, candidat à la présidentielle, qui d'ores et déjà s'incline sportivement devant les candidats en tête de la course au fauteuil présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le souci et l'intérêt suprême de la nation, dans le souci de préserver la stabilité, de préserver la cohésion, de préserver la paix sociale dans notre pays, l'opposition républicaine que j'ai représentée à la présidentielle du 20 décembre dernier, a décidé de s'incliner devant les résultats issus de la publication de la CEMI. Nous avons déployé près de 60 000 témoins et observateurs à travers la République qui ont récolté quelques cas d'irrégularité, quelques cas de bon facture. Mais après analyse par notre QG, nous nous sommes aperçus que ces irrégularités ne sont pas de nature à influer, venir à impacter sur les résultats définitifs des votes à la présidentielle. Avec cette posture républicaine, Constant Moutamba, président de la dynamique révolutionnaire de l'opposition républicaine, lance ici un appel aux autres candidats à privilégier l'intérêt de la République, tout en remerciant la CENI pour avoir respecté les délais constitutionnels. L'esprit de fair play doit caractériser tous les acteurs politiques engagés dans le processus électoral en République démocratique du Congo. La violence doit laisser la place à la paix. C'est en ce terme que Luc Malembe, leader de l'opposition en Ituri, s'est exprimé devant la presse au regard des agitations constatées dans les états-majors de certains partis politiques. Luc Malembe, chef de file de l'opposition en Ituri, appelle le leader politique à s'incliner devant les résultats des urnes en pleine publication par la CENI. Appel lancé ce vendredi 29 décembre 2023 devant la presse à Bounia. Pour ce lieutenant de Martin Fayoulou, la violence ne doit pas constituer la voie de recours pour contester la volonté du peuple congolais. Je note que le peuple iturien s'est exprimé de manière souveraine en élisant les personnes de son choix, et je ne dispose pas d'éléments suffisants pour mettre en doute la véracité des résultats qui seront publiés par la CENI. Et avec la sportivité politique qui m'a toujours caractérisé, je vais éventuellement féliciter les compatriotes qui seront proclamés vainqueurs. J'appelle par la même occasion les autres leaders politiques de l'Ituri à la retenue, compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire de notre province, pour ne pas gâcher cette accalmie encore très précaire observée actuellement sur le terrain, fruit d'énormes efforts conjugués à la fois par les autorités militaires ainsi que l'ensemble de nos forces vives. Par ailleurs, il se félicite de la bonne tenue des élections qui ont eu lieu en Ituri en dépit de quelques cas isolés. En général, les élections se sont déroulées de manière apaisée sur toute l'étendue de la province, y compris dans les entités affectées par l'activisme des groupes armés comme Djougou, Irumu et Mambasa. Aucun incident sécuritaire majeur n'a été enregistré. Il faut dire que cette prise de position de Luc Malembe intervient 24 heures après un message sur Twitter du candidat républicain Constant Moutamba qui se félicite déjà de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat.
Les résultats publiés par la CENI reflètent bel et bien les réalités des urnes, précision faite par le mouvement politique Le Centre qui a aligné plus de 10 000 témoins et plus de 120 candidats à la députation nationale et provinciale à travers le pays, déclaration faite au cours d'un point de presse animé par son président Germain Kambinga. La République démocratique du Congo sort d'un processus électoral globalement disputé mais apaisé, malgré le contexte sécuritaire difficile dû à l'agression rwandaise et face aux premières tendances des résultats de vote donnant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo largement gagnant, fort de ce qui précède. Partie prenante de l'actuel processus avec 100 candidats alignés et 10 200 témoins à travers le territoire national, le centre a constaté partout la même mobilisation du peuple congolais autour d'une candidature bien identifiée à l'élection présidentielle, celle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le centre a constaté sur terrain que le peuple congolais rejette fortement l'idée d'une démoralisation et d'un affaiblissement des forces armées. Le centre constate que l'opposition politique congolaise, plutôt que de faire son examen de conscience sur les raisons évidentes de son échec annoncé et de son rejet sans équivoque par le peuple congolais, voudrait prendre comme prétexte les faiblesses structurelles de la CENI. À ce propos, le centre voudrait rappeler que nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés. Et cependant, nous n'avons jamais annulé un processus électoral. Bien au contraire, nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant, et l'actuel processus ne devrait pas faire exception. On va boucler ce chapitre des élections par cet appel du mouvement SOS Grand Bandundu qui appelle le Congolais au calme et à la vigilance. SOS Grand Bandundu note avec la plus grande satisfaction le déroulement du processus électoral en cours et félicite de ces faits la Commission électorale nationale indépendante pour avoir organiser les élections inclusives avec, cette fois-ci, la participation de la diaspora et en respectant les délais constitutionnels, une grande première dans l'histoire de notre pays. SOS Grand Bandundu note également la transparence qui caractérise la publication des résultats en cours de la présidentielle à la suite de compilation des bureaux de vote, circonscription par circonscription, en direct sur les antennes de la télévision nationale et d'autres médias depuis le 22 décembre 2023. Félicite également la RTNC à travers sa directrice générale, Madame Sylvie Elenge Niembo, pour avoir accordé à tous les candidats à la présidentielle, sans aucune exception, le même temps d'antenne et une couverture médiatique nationale. SOS Grand Bandundu demande aux Congolais et les exhorte à vaquer librement à leurs occupations en cette période de fête de fin d'année, de ne pas se laisser embrigader par la manipulation des ennemis de la nation qui ne jurent que sur un éventuel chaos, alors que l'actuel processus électoral est le plus inclusif que la RDC n'ait jamais connu. SOS Grand Bandundu félicite enfin les candidats Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son excellente et magnifique campagne électorale à travers toutes les provinces du pays. Peuple congolais, restons unis et soyons vigilants. C'est la période des fêtes de fin d'année. Voilà pourquoi les agents et cadres du Renatelsat ont reçu des colis pour les festivités.
ambiance, une effervescence inhabituelle au Renatelsat, qui est le réseau national de télécommunications par satellite. L'ADG Jean-Pierre Bondeau est arrivé dans sa casquette et son rôle paternel pour apporter du sourire à son personnel du Renatelsat en cette période de fin d'année. C'est une première. En 2 mois seulement, des prises de fonction du nouvel ADG Bondeau depuis que cet établissement public existe. Plusieurs tonnes de sacs de riz, de cartons de poulet, de bidons d'huile et de la tomate ont constitué ces colis de fin d'année. Le directeur des ressources humaines, Jean-Claude Kikwisina, dans la complicité de leur ADG, n'a pas caché l'expression de joie avec une mention distinguée de gratitude à l'endroit du chef de l'entreprise, l'homme du moment, au Renatelsat. La joie est grande dans mon cœur parce que mes agents, comme vous les voyez en liesse, ils vont recevoir chacun son carton de poulet, son sac de riz, et son bidon d'huile et puis un peu de tomates. Donc nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, parce que ça ne s'est jamais plus fait. Hein. Du côté de l'ensemble du personnel et de leur président de la délégation syndicale, l'ingénieur Didier Sundi, principaux bénéficiaires, les sourires étaient réels. Nous disons un grand merci à notre autorité employeur, mais c'est l'ADG Bondo Jean-Pierre, pour ces gestes ô combien louables. C'était un rêve, mais ça devient une réalité. Il faut noter que c'est sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de l'équité, l'égalité sociale et la dignité humaine, avec l'impulsion de la tutelle, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, l'homme du nouveau narratif, que l'ADG du Renatelsat, Jean-Pierre Bondeau, vient de remettre du sourire aux agents et cadres de cet établissement public. La grande équipe technique qui vous a permis de nous suivre est composée de Mamita Bangoulou, Luison Moulongoy, Emile Zola, José Dimonekene et Alain Galia. Eh bien, cette grande équipe me charge de vous dire merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée en compagnie de programmes de la Radio-Télévision nationale congolaise.